Hola, hola. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Lojo Games, nouvelle vidéo Lojo Horror Games. En compagnie de Mukral, l'intrépide, le courageux Mukral. Une nouvelle vidéo donc sur le jeu Slender. Oh la vache! Où ça a bien changé. Où ça a vachement bien changé, genre les graphismes, ah, oui, oui. La main déjà. Ouais. Donc prison, Slender prison. Et là, c'est pas des. J'ai vu, c'était pas des lettres. Enfin, c'est des photos qu'il faut récupérer. Et bah, j'ai hâte de commencer. Et la main, elle a très bien changé. Même la lumière, c'est une petite lumière maintenant qu'on a. Ah la vache. Ah, ouf. Un décor vraiment énorme. Ah ouais, carrément. Ça a très bien changé. Rien à voir au tout début. Je parle là, tiens. C'est bien glauque en tout cas. La vache, les graphismes, mais en. L'évolution, c'est un truc de dingue. Donc, à savoir que je crois que la prison, cette mise à jour là. Vient de sortir il n'y a pas très longtemps, hein. Je crois la semaine dernière ou dans le mois, hein. Dans le mois de d'octobre. Mais oui. Un petit peu. Ouais, mais c'est comme d'habitude, tu sais, c'est au bout de la première photo. Attends juste le bruit de la lumière en fait. Pour le moment, ouais, je pense. Ouais. Ça va arriver petit à petit. En fait, ok, c'est une mini lampe en fait. Ouais, c'est une mini lampe. Ah, mais il se modernise, hein, le sender aussi. Hein. Le mec, hein. C'est j'ai un peu du mal avec la souris là. Ah, mais tu vas te taire. Alors là, il faut trouver des photos. Alors par contre, on connaît pas du tout le truc. Donc, j'espère qu'on va vite trouver la première. Enfin, parce que le plus dur, c'est de trouver la première quoi. Ah, d'accord. Il y a carrément une main dessus maintenant. D'accord. Mais ça fait un peu comme l'autre jeu d'avant. Ah, super, l'ambiance qui commence. Voilà. Et regarde, il y avait une lampe. Une lampe par terre là, ouais. Ah non, je vais pas la prendre. Je vais pas. Parce que les mecs ils sont partis en courant. Ouais, c'est bon. Bon, alors c'est parti. La c'est pas un cul-de-sac là. Non, je crois pas. Ne me dis pas que c'est un cul-de-sac. Non, il y a de la lumière à droite, c'est bon. Voilà, la première page. Oh putain. Bien glauque. J'ai l'impression que celui-là c'est en. Ouf. C'est un des meilleurs sans déconner. Enfin, il peut pop de partout là. Ouf. Il a été changé aussi. Tiens, hein. Ouais, il ouais, a changé. La texture du Slender a changé. Il a été changé au corps lui aussi. Alors là, le problème, c'est que vraiment, c'est des toutes petites photos comme on a pu voir tout à l'heure. Donc ça va être vachement plus dur parce que c'est pas des indices qu'on voit de très très loin. C'est vraiment le truc bien caché, okay, posé. Je vais revenir sur mes pas, je vais te coincer. Il est où? Je sais pas. Ils ont popé à la gueule, sous ils ont tout changé. Oh non! Ah non, ok, ça va. Voilà. Ouh, il est bien spécial. Alors là, oh, non. Putain. Comme si on était un peu en dehors de la. Prison. Prison. C'est pas un cul-de-sac. Oh non, cul-de-sac et cul-de-photo. Bah, je crois qu'en fait, Mukral, bah, tu vas jouer. Cours. Bloqué par un mur. Ah, c'est peut-être un gardien, je me dis. Tu crois? Sur là, j'ai pile sur lui. Tu fais le fou, mec. T'as fait le fou, là. Hein. Oh, oula. Bugs. Ouais, là, c'est un peu chiant avec les lits et tout. Donc là, nous sommes à deux photos. Bien, bien stressant, celui-là. Ouais, je pense qu'il doit être bien stressant. Non, surtout que les photos sont très, très bien cachées, quoi. C'est pas des gros placards que ouais, tu vois à 4 avant, km. Là, surtout qu'ils ont corrigé aussi des bugs, de, tu sais, au tout début. Dans le premier, je me rappelle, les trucs, tu les voyais de loin. Les ouais, placards, ouais, ça brillait et tout. Et là franchement, je tourne en rond en plus. Hein. Bah, en plus, tout se ressemble. C'est une prison où tout se ressemble. Oh, putain, j'ai du mal. C'est un peu de mal, ouais. Il était vachement travaillé quand même, le jeu là. Ah, il bouge! Je le vois. Oh putain de sa mère! Ouh, il y a eu beaucoup de changements quand même. Alors à savoir aussi, on a vu qu'ils étaient non, sur. Non. Quoi? Je savais que c'était un cul-de-sac. Non. À savoir aussi, ils étaient sur une version secrète. Alors on sait pas du tout sur quoi ça va tomber. Donc j'espère qu'ils vont. Putain de merde. J'espère qu'ils vont sortir la dernière version le plus tôt possible. Mais là, ça a quand même bien changé depuis la première. Wow oh putain! Je l'avais même pas vu.
Oh non! Putain de merde. Par contre, on dirait qu'il n'y a plus le bruit quand on le voit, qui est stressé. Oh merde, la lumière s'éteint. Je vais où, là? J'ai plus de lampe torche! J'ai plus de lampe torche. Alors, je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver de lampe torche par terre, ou je ne sais pas trop. Tu crois? Bah, je pense, hein. Faut pas quand même t'éclairer, rien qu'avec la lumière de... Le petit truc de merde. C'est pas une lampe torche, c'est ce que tu... Ouf! Oh, ça a été vachement changé là, parce que là il était devant toi là. Oh putain! Alors est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y a plusieurs Slender maintenant? Parce que t'as vu? Oh putain! Il était derrière toi et là il est devant toi. Enfin, on dirait qu'il se téléporte maintenant. On dirait qu'il se téléporte devant, derrière, un peu de partout. Mais je vais où là? Je vais par contre trouver les photos, merci, hein. C'est super difficile. Ouais, c'est hyper chou. Mais il doit y avoir un truc en fait, faut capter comment, où sont placées les photos. C'est quoi là-bas? C'est pas. Oh putain. Bordel de merde. Oh putain, c'est quoi, c'est une échelle? Je pense que j'ai pas choisi le bon endroit. Pour t'échapper. On va rigoler. Genre on s'échappe. Ouais, ça aurait été énorme. Dans le Slender, tu vois, il y a... Une petite cachette dans tous les Slender pour s'échapper. Ouais, mais c'est impossible en fait, genre c'est... Ah, tout se ressemble en plus. Ouais, c'est ouais. Une prison, c'est... Ouf, cours, cours. Puis tout se ressemble. On tourne carrément en rond, quoi. Ouais, je crois qu'on est déjà passé 20 fois par ici. C'est hyper chiant. Je transpire, un truc de ouf. Ah, oh putain. Il a été un peu changé quand même. Hein. Ouf. Deux pages. Bon, à ton tour. Vas-y. Graphiquement, il y a eu un gros changement quand même. Graphiquement, c'est plus beau que des Slender. Ouais, c'est vrai. Après, on dirait qu'ils ont quand même changé quelque chose sur le jeu quand même. Parce qu'il n'est plus tout le temps derrière nous. Il se retélépète devant nous aussi. Ouais, en fait, ouais, il est beaucoup plus mobile, le Slender. Ouais. Le Slender est beaucoup plus mobile. D'accord. D'accord, ça commence. Genre, je suis déjà mort, il se passe quoi, attends. Je... Le Slender, donc, le Slender est beaucoup plus mobile. Ouais. Le texture pack aussi, du texture du Slender, c'est carrément changé. Il a changé aussi, ouais, il a changé. C'est, dès qu'on l'a vu, ça nous a fait tout de tilt, en fait. Et qu'est-ce qui a changé? Bah la map aussi, bah, la évidemment map. C'est une nouvelle map, mais ce qu'il y a c'est que... Ah oui, avant on avait une main dégueulasse avec une genre de lampe torche, là on sent bien que on est presque dans un... Je sais pas comment dire... Mais même au niveau de la lumière, genre c'est très très bien travaillé, ça a quoi. Été travaillé, on voit le gant... C'est réel quand même. Ouais, c'est plus une lampe torche quoi, c'est vite fait le petit truc de base, ça se trouve on est... En fait ça se trouve... On... Il n'y a pas d'histoire, ça se trouve on est juste un prisonnier, on peut dire ça, qui vient de s'échapper. Un prisonnier qui vient de s'échapper de la prison, qui a eu peut-être un attentat, toute la prison était cassée. Ouais, un des prisonniers qui vient de trouver une lampe torche vite fait par terre avec un truc bidon, juste pour voir où sont tombées ses clés. Et il tente de s'échapper, mais en fait tous les prisonniers ont disparu. Pourquoi? Parce que le Slender les a peut-être attrapés, voilà. Et quelque part, bah, je vais me faire un scénario tout de suite, tout seul dans ma tête, là. Mais il doit avoir quand même une histoire, Slender, je pense. Hein. Tous les Slender doivent avoir une petite histoire avant qu'ils le sortent, je pense. Je sais pas, j'ai jamais, on a vraiment jamais lu... On a toujours regardé, en fait... La map. Il n'y a pas un truc sur le livre, là ? Non, je crois pas, j'ai pas lu. Mais c'est vrai qu'il doit avoir une histoire à tous les Slender. Pourquoi ils le font là? Bah, là. À la base, Slender, c'est une histoire urbaine, en fait. Un genre de mythe urbain. Un mythe. Et d'ailleurs, on a vu, apparemment, il y a un film qui est sorti ou qui va sortir qui s'appelle The Tall Man, Staller Man, je sais plus, L'Homme Grand. Ah bah tiens, ok, bah la photo était là, quoi. Cimer le truc bien caché, quand même. Voilà, donc un film avec Jessica, Jessica Biel, qui va sortir, qui est sorti. Apparemment, en fait, ce sera la base d'une... le Slender, une... serait sorti de la tête, de l'imagination de Stephen King. D'accord. Après ça, il n'y a pas longtemps. Voilà. Oh là. Truc bien étroit comme ça. Là. Oh putain, la vache. Ah mais carrément, vous voyez, genre le truc il apparaît mais d'un coup quoi. Ah là.
À une page, ça y est, le truc il attaque déjà. Et puis c'est même pas genre il est derrière toi, c'est genre il est. Il est devant. En fait, ils l'ont vachement modifié, regarde là. Oh putain. Putain, il était en là. En fait, hein. Ils l'ont vachement modifié. Ah ouais. Parce que il te suit plus vraiment en fait, pas à pas, genre par le chemin que tu viens de prendre, mais en fait il se suit par. Il est programmé pour te suivre par des chemins parallèles apparemment. Bah il doit traverser les murs, ça se trouve. Mais tu t'as dit qu'il bougeait toi quand on le regardait? J'avais l'impression tout à l'heure qu'il bougeait la tête. Il n'y avait pas un bruit là? Si, si, il y avait un bruit là. D'accord, donc en plus il y a des bruits comme si tu suivais quoi. Par contre, on dirait qu'il est. Le jeu, on dirait qu'il est moins flippant. Enfin, je sais pas, c'est parce qu'on connaît maintenant. Ou est-ce que je trouve qu'il y a peut-être moins de bandes son. Oh putain! Foiré. Hey, ils ont carrément changé le principe du jeu. Hein. Ouais. Parce qu'il est vraiment plus agressif. Regarde, une page. On n'a jamais vu ça. C'est vrai. Une page, quoi. Genre que dans le temps de Slender, t'avais le temps d'arriver à 4 pages, 4 pages, voilà, 4 pages maxi. Et là, t'as pas le temps, quoi. Là, t'as pas le temps, genre t'es une page, genre tu te promènes dans toute la prison pour une prison en plus qui te paraît, chaque cellule, à chaque endroit, la même chose. La même chose, un lit. Et du coup, tu tournes en rond, tu sais plus où t'es, et du coup, t'arrives à, je sais pas, moi j'arrive à combien de pages? 2. 2, voilà. Dis-moi. Tu t'en fais 2 pages, donc c'est le. Alors que le dernier jeu que j'avais fait de Slender, c'était sur la 7ème avenue. Ouais. J'avais fait 7 pages sur 8. 7 pages, et là j'ai fait une. Ils font vraiment des slenders et de l'agressivité du slender en fait. Mais ils sont vachement agressifs. Donc, mais je crois qu'ils se téléportent à travers la mur, on dirait quand même. Apparemment. Hein. Parce que t'as vu, ils se téléportent de partout quoi. Donc en fait, ça doit être toujours une personne qui se téléporte, mais là au lieu qu'il se téléporte en fait au même chemin que toi, il prend le chemin le plus court pour arriver à toi. D'accord. Okay. Et comme c'est une prison qu'on tourne en rond, bah là, bizarrement, bah, il m'a eu parce que je suis revenu un peu sur mes pas en fait. Ok. Donc voilà. Bon. Quelle note? Un peu moins que les autres parce que je pense qu'il est peut-être trop agressif. Ouais, c'est ça qui est chiant. Je trouve qu'il est peut-être aussi moins flippant. Enfin, je sais pas, la bande-son, on dirait qu'ils ont changé quelque chose. Bah, Slender, déjà, tu lui mettais quelle note sur 20? Un bon 16 quand même. Un bon 16? Ouais. Là, déjà, il a facilement la moyenne avec déjà tout l'aspect graphique qui a été vachement bien travaillé. ensuite, l'idée de la prison qui est super sympa. Après, du coup, tous les points négatifs, c'est que le fait qu'il se tépait vachement vite à toi, que t'es pas forcément le temps de trouver toutes les pages. Peut-être les photos sont trop cachées. Ouais, trop cachées. Ouais. Il faut vraiment les trouver. Genre, t'as vu l'endroit, tu sais, à côté du lit. La première pour toi. Ouais, voilà. J'étais passé devant apparemment, c'était vraiment bien caché. Côté, c'est des fois on se demande si c'est pas genre juste une photo genre ou un bug ou un bout de papier, qui traîne juste par rapport au décor en fait. Non, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Comme la deuxième image aussi que tu as vraiment trouvé dans un cul-de-sac quoi. C'était quoi? Où est-ce que je l'ai trouvé? C'était ils regardent sur la vidéo. C'était vraiment un cul-de-sac. La deuxième image que t'as eue, c'était vraiment un cul-de-sac, quoi. Et t'étais obligé de revenir sur tes pas. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, je m'en souviens, d'accord. C'est fini, quoi. C'est clair. C'était dans un cul-de-sac. Apparemment, t'as déjà une page dans ce Slender Prison. Le truc qui t'agresse, t'es mort. T'es mort. Bon. Merci pour cette... petite vidéo. Fort sympathique, quand même. Voilà. Fort sympathique. N'hésitez pas... à vous abonner à la chaîne YouTube Lojo Games. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos réactions, n'hésitez pas à mettre en commentaire les prochaines vidéos que vous voudriez qu'on teste. Voilà. Eh bien, à bientôt pour de prochaines vidéos Lojo Games. Bye bye.